Bien, bonjour à tous. Vous remarquez que nous sommes attendus. Alors effectivement, dans le temps intermédiaire entre midi et deux heures, quand j'évoquais ce débat être juste, on me disait, il faut absolument que j'y sois parce que ça va sans doute être un débat très très particulier. Il a été complexe pour moi à préparer, je vous l'avoue, parce que d'entrée on est sur un sujet qui va être par nature assez complexe. Et je compte bien évidemment sur vous, Madame Roret, merci d'être avec vous. Alors je rappelle que vous êtes avocat pénaliste de formation et vous avez une double caractéristique, si j'ose dire aujourd'hui. Vous êtes la directrice de l'École nationale de la magistrature et vous êtes, si j'ai bien compris, la première femme. Oui. C'est ça. Oui. Mais en même temps, vous me disiez que finalement, dans le corps des magistrats, il est plus féminisé qu'on ne le pensait. Oui, c'est un corps très féminisé. Mais vous savez, c'est la différence entre la mixité et la parité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de femmes que toutes peuvent avoir les postes de direction qu'elles méritent pour la plupart. C'est ça. Donc on voit déjà sur la notion de justesse et de justice. Renaud Van Ruynbeek, on ne vous présente pas. Non, mais je... Dites-moi. Je m'excuse de ne pas être une femme. Bon. Alors je crois que tout le monde va vous pardonner. J'y suis pour rien, mais vraiment pour rien, croyez-moi. Mais je rappelle que vous êtes ancien magistrat et ex-premier juge d'instruction du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris. Et vous avez été mobilisé sur de très très grandes affaires. Et vous avez effectivement sorti un livre, hein, il n'y a pas très longtemps, il a combien? Un an peut-être? Même pas un an. Hein. Ok, sur un juge trop indépendant. Oui. Et je crois que ça va être intéressant, effectivement, par rapport au sujet qui nous occupe, sur ce thème aujourd'hui, être juste, ça veut dire quoi? Alors la question est intéressante de se la poser aujourd'hui, mais certainement aussi dans le contexte qui est le nôtre, et pour augurer peut-être de demain, entre guillemets, peut-être, je ne sais pas, plus juste. Alors on va se retourner, comme vous en avez totalement l'habitude maintenant, vers Julie Neveu, cette linguiste aventurière, comme je l'appelle, qui va nous dire un peu, elle, qu'est-ce qu'elle met derrière cette expression. On regarde, si vous voulez bien. Le lexique de la justice arrive en fait très tôt dans notre discours en tant qu'enfant. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on s'aperçoit que c'est plutôt par la négation. Vous verrez tous les enfants dire « c'est pas juste, c'est pas juste ». Et même adulte, finalement, comment éprouve-t-on même la justice? On ne l'éprouve pas, on éprouve l'injustice. De même, le droit, on l'éprouve, on l'aborde surtout par la privation. On a été privé de nos droits, c'est pas juste. Donc il y a une approche qui est affective et qui est nécessairement expérientielle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours par rapport à mon voisin le plus proche que je vais éprouver ce sentiment d'injustice. Et l'on voit que finalement, quand est-ce qu'apparaissent dans les expressions du français, mais même des autres langues, le mot justice, c'est plutôt dans un second temps, quand il s'agit de faire justice, de rendre justice. Pardon. Donc la justice, c'est vraiment la réparation, le second temps de la justice. Mais c'est nécessaire et c'est majeur, notamment dans la construction mythique des esprits des enfants, puisque les premiers justiciers sont vraiment les premières figures héroïques. Vous avez Zorro, vous avez, je ne sais pas, tous, Robin des Bois. Donc, la justice s'éprouve d'abord par l'injustice et on comprend de ça peut-être la nécessité d'avoir des figures de la justice, des métiers de la justice qui construisent en fait un discours raisonnable sur la justice, qui soit la justice pour tous et non pas pour simplement mon voisin, mon premier référent, mon premier repère. Et j'aime bien penser à l'idée de justice, justesse, car être juste, c'est aussi savoir donner la bonne note dans un orchestre. Donc si l'on imagine par exemple un orchestre, eh bien celui qui travaille dans la justice serait comme le chef d'orchestre. Il a sa baguette et il fait donner le la à tous les membres de l'orchestre, et seulement à cette condition qu'il y ait un accord préalable, un ajustement qui demande éducation, on peut réussir à jouer ensemble. Voilà, alors là, la métaphore, tout au moins, est relativement intéressante. Oui. Alors, je vais commencer par vous, Madame Roret. Lorsque, effectivement, on a échangé, je vous disais comment on peut... Julie évoque bien le terme de justice et justesse. Mm-hmm. Et j'aurais envie de commencer, si vous le voulez bien, par cette première question autour de cette notion de justesse. Elle dit la note juste, mais on pourrait dire viser juste, faire un calcul juste. Comment, de la place qui est la vôtre, qui avait choisi ce métier, j'imagine, pas tout à fait par hasard, abordez-vous cette notion de justesse? On reviendra à l'injustice, si vous voulez bien, après. Oui, parce que je trouve que la question de l'injustice aussi est intéressante, hein, parce qu'elle commence d'ailleurs comme ça, pour ensuite mener à la justesse. Et si vous me permettez, moi je trouve que c'est intéressant d'aborder
la justice par l'injustice. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que l'injustice a supplanté, la notion d'injustice a supplanté la notion d'inégalité dans notre société. Il y a un récent sondage IFOP qui dit, je crois, à 71%, les Français trouvent que les injustices augmentent. Et on peut regarder dans la société les événements récents, que ce soit les déclarations d'un ancien président de la République, les manifestations des gilets jaunes, des salariés, des employeurs contrôlés par l'USAF, on parle d'injustice. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est de gratter qu'est-ce qu'il y a derrière cette injustice, hein, que l'on oppose à justice dans un premier temps. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette injustice ? Il y a souvent une question de renoncement. Et pour la juriste que je suis, il y a souvent une question de renoncement à ses droits. Regardez l'abstention, y compris le renoncement à ses droits civiques. Regardez l'abstention aux dernières élections régionales. Et puis, il y a un renoncement à une procédure trop longue, il y a un renoncement à porter plainte, il y a un renoncement à vouloir s'engager dans un procès trop coûteux, il y a même des renoncements à exercer ses droits. Et une société dans laquelle on estime, dans des proportions aussi importantes que celles qui sont révélées par les sondages, qu'il y a beaucoup d'injustices, c'est difficile d'avoir une société juste où, quand on vit avec autant d'injustices ressenties. C'est pas la justice qui conduit au renoncement. Parce qu'on entend aussi en même temps très très souvent dire c'est pas la peine, enfin je me bats contre des montagnes, contre des moulins à vent. Alors ça, je crois qu'il faut regarder cette question de renoncement et savoir effectivement pourquoi il y a des questions de renoncement et pourquoi les droits ne sont pas toujours exercés et de façon plus, j'allais dire, plus judiciaire. Vous savez, il y a une question qu'on me pose souvent, moi, quand j'étais avocate, oui. C'était c'est pas juste de défendre tout le monde. C'est vraiment une question. Enfin, pardon si vous allez me poser cette question, mais pourquoi est-ce qu'il faut défendre et l'actualité judiciaire, Dieu sait qu'elle nous montre des situations, hein, qui peuvent nous faire poser ces questions, ou en tout cas qu'on nous pose ces questions. Et moi, je crois qu'il faut répondre en disant que la question n'est pas de savoir si on défend un tel ou un tel. La question, c'est de savoir dans quelle société on veut vivre. La question est de savoir si on veut vivre dans une société juste où on a tous la possibilité d'avoir accès à ses droits et d'être défendu. Une société juste, c'est une société qui défend même le pire des criminels. C'est les défendre tous. Pour vous, c'est juste. Pour moi, c'est juste. Qu'une victime. C'est les défendre tous, victimes et bourreaux, victimes ou bureaux. C'était Alberno qui disait ça. Et je crois que Robert Badinter rajoute, les défendre tous, c'est le choix de la civilisation. C'est un enjeu de société, en fait. C'est une des nécessités même de la République. Oui. Je rappelle que la justice est un des droits régaliens. Voilà. Alors après, il faut les défendre, il faut faire la justice avec justesse. Mais ça, rendre la justice, faire la justice, c'est mon partenaire de jeu. Je vous laisse la transition. Comment vous répondriez de la place qui est la vôtre, effectivement, qui est celle d'un juge d'instruction ? Alors peut-être nous rappeler en deux mots, hein, vous me l'avez dit au téléphone, ce que fait précisément un juge d'instruction. Parce qu'on le sait dans le langage courant, mais ça mérite peut-être d'être un petit peu pointé pour comprendre comment vous exerceriez cette notion de justesse. Oui, c'est bien de commencer par là, parce que ça m'évitera de répondre à la question à laquelle je suis incapable de répondre, qu'est-ce que c'est que d'être juste ? Parce que le juge d'instruction, il ne juge pas. La peine juste, c'est pas son problème. Le juge d'instruction, c'est un enquêteur, si vous voulez, c'est un enquêteur à la française. Hein, c'est quelqu'un qui va être saisi d'infraction par le procureur, le plus souvent, et qui va instruire, c'est-à-dire qu'il va... Il va chercher la vérité. Alors, vérité, ne me faites pas peur avec le mot juste, un grand J. Vérité avec un grand V, non. Vous avez dit judiciaire tout à l'heure. C'est plus confortable déjà. Vous voyez, je me cache derrière le mot judiciaire. Donc, j'ai déjà un théâtre qu'a de le dire ici. Ouais. Un théâtre d'ombre qui est le mien. Est-ce que j'apporte la preuve que... Est-ce qu'il y a bien eu une agression ? Est-ce que, alors dans mon domaine, est-ce qu'il y a bien eu des détournements ? Est-ce qu'il y a eu de la corruption ? Et je ne suis pas là pour juger personne. Je suis là pour essayer de comprendre. Comprendre, ça veut dire chercher des preuves. Avec ce,
ce mélange que vous allez peut-être trouver contradictoire, qui est un mélange d'intuition, parce que un juge, comme un enquêteur, un juge d'instruction, il émet des hypothèses à partir de faits donnés. Qui a pu faire ceci, comment, pourquoi? Et il faut bien, pour chercher, avoir des intuitions. Dans le même temps, il doit douter de ses propres intuitions. En permanence, oui. Voilà. Donc, le juge d'instruction est un schizophrène. Masqué, certes. Mais un vrai schizophrène. Alors, il y a peut-être une question complémentaire. Vous voulez peut-être réagir, mais il y a une question complémentaire que j'aimerais vous poser. Parce que quand même, dans votre combat, un juge parfois trop indépendant, vous avez quand même voulu lutter contre des injustices. On le voit bien. Oui. Alors, je ne sais pas si vous êtes Zorro ou si vous êtes Robin des Bois, mais il y a quand même dans votre engagement cette volonté d'aller... Oui. Peut-être que je me trompe, au-delà même simplement de l'application stricto sensu de votre travail. Bien sûr, le sentiment de justice, c'est un guide permanent, mais c'est un absolu qu'on ne peut pas atteindre, mais en même temps qui nous guide. C'est le sentiment d'essayer d'être juste. Voilà, je crois que ça a bien été dit dans le reportage, il y a le sentiment d'injustice qui est profond chez tout le monde, non seulement chez le juge, mais également chez les personnes qui ont affaire à la justice. Alors, vous savez que les personnes qui sont satisfaites de la justice, qui ont le sentiment que justice a été rendue, c'est qu'elles ont gagné leur procès. Ou c'est une personne poursuivie qui est relaxée. Voilà. Ou c'est une personne condamnée pour une victime. Donc, il y a déjà une personne sur deux, minimum, qui va considérer que la justice est injuste. C'est le sentiment qu'on reçoit. Alors, le sentiment que le juge peut avoir... Je vous disais, cette part d'intuition qu'il a, en même temps, il doit faire une démonstration. Il y a une part de rationalité dans son travail. Oui, on veut. Le sentiment d'être juste, c'est d'abord. Enfin, pour moi, ça a été l'égalité dans la loi. Voilà, moi, j'ai connu une époque, il y a 40 ans, 45 ans, quand j'ai débuté dans la magistrature, il y a des personnes qui n'étaient jamais poursuivies. J'ai perquisitionné le premier parti politique en 92. Jusque-là, ça ne s'était jamais fait. Et je me suis entendu dire dans les locaux du Parti socialiste, mais vous n'avez pas le droit. Un parti politique, il a une légitimité, il est élu, pas vous. Et donc, c'était injuste pour eux que je perquisitionne. Ma seule réponse, en m'excusant presque, c'était de dire, vous n'êtes pas au-dessus des lois. En plus, c'est vous qui les avez votés, donc je vous les applique. Et voilà, cette notion d'égalité et de privilège qui était insupportable. Et je ne sais pas quel est le sentiment des personnes qui sont là aujourd'hui, mais j'entends encore souvent ce discours. Il y a la justice pour nous et il y a la justice pour certains. Autres, oui. Voilà. Alors, je peux vous dire qu'au niveau de l'instruction des enquêtes, regardez récemment les affaires... dont on a beaucoup parlé, les affaires Cahuzac ou Fillon, il n'y a plus de privilèges, on ne peut plus étouffer une affaire. Et ça, le fait d'étouffer des affaires, le fait de le savoir, parce que la presse joue son rôle, ça c'est profondément injuste. Les gens ne supportent pas, et je pense qu'ils sont capables de tout pour changer cela. Vous voyez, c'est tellement le sentiment est profond. Donc moi c'est un peu ça que je pense que... J'ai essayé d'appliquer à mon petit niveau, si vous voulez, c'est de dire, bah oui, il est ministre, et alors? Il est plombier, et alors? C'est juste pas mon problème. Donc c'est une sorte de traitement, alors je ne sais pas si le terme va être traitement juste, traitement équitable. Traitement égalitaire. Égalitaire. Égalitaire, voilà. Est-ce que ce serait ça, madame, parce que lorsque j'ai lu des discours que vous avez prononcés au mois d'avril en accueillant une promotion, et on reviendra d'ailleurs sur les enjeux qu'il peut y avoir avec les nouvelles générations, et vous évoquiez cette notion de besoin de justice. Est-ce que vous vous retrouvez, parce que finalement c'est ça, c'est ce besoin de justice que réclame tout citoyen? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire sur la recherche d'appliquer de façon parfaitement égalitaire le droit, c'est-à-dire que c'est rendre la justice, c'est appliquer le même droit avec les mêmes règles de procédure pour tous, et on rejoint d'ailleurs un tout petit peu l'accès au droit aussi, c'est-à-dire pour tous, dès lors que tous peuvent avoir, chacun peut avoir accès à ses droits et à un avocat.
Vous avez parlé du doute. Vous avez parlé du doute tout à l'heure, et je crois que c'est important d'expliquer que à l'école de la magistrature, c'est-à-dire là où on apprend à naître magistrat, hein, pendant 31 mois. Vous dites à naître magistrat. Oui, je le dis parce que c'est souvent ce que m'ont dit les magistrats qui sont donc tous passés obligatoirement par cette seule école, hein, l'école nationale de la magistrature, tous formés à Bordeaux. Ils disent finalement cette école, d'ailleurs, c'est comme une matrice, vous voyez, on est du verbe naître. On rentre étudiant ou avec un parcours en reconversion professionnelle, hein, parce que dans la promotion que j'ai accueillie donc, au mois d'août, il y a à peu près 41%, 42% en reconversion professionnelle. Mais donc, par définition, ils n'ont pas exercé des fonctions de juge, et pendant cette formation, ils vont naître juges. Et comment ils vont naître juges? C'est pour ça que je rebondissais sur le mot doute. Ils vont naître juges en suivant donc une formation par les pairs. Ce sont essentiellement des magistrats et quelques pédagogues qui viennent enseigner. Et qui viennent enseigner comment? Ben, finalement, en essayant d'instiller cette notion du doute, cette notion de la présomption d'innocence qui doit à chaque étape des fonctions auxquelles on prépare à l'école de la magistrature irriguer tout le fonctionnement. Et c'est ce qu'on appelle à la fois le savoir-être du magistrat et puis le savoir-faire. C'est aussi le savoir-faire qu'on apprend évidemment dans cette école. Mais ce savoir-faire, c'est le savoir-faire décisionnel. Comment on apprend à prendre une décision? Comment on apprend à regarder, vous savez, c'est pas le bénéfice-risque, mais c'est le pour, le contre, voilà tous les arguments de façon objective. C'est un savoir-être organisationnel, parce que rendre la justice, c'est aussi travailler, pas pour l'instruction, mais vous ne rendez pas la justice, c'est travailler en collectivité, c'est travailler dans un collectif. Et c'est pour moi la collégialité un rempart contre la subjectivité, justement, et le fait d'un traitement qui pourrait être inégalitaire et subjectif. Voilà, un savoir-faire décisionnel, un savoir-faire organisationnel, un savoir-faire interactionnel, parce qu'un juge sans un avocat, il n'est pas un tribunal. C'est une communauté judiciaire aussi qui travaille. Ouais, c'est important qu'on ait, vous aviez cette discussion en aparté. Peut-être compléter les propos, si vous voulez bien, de madame. Et puis dire que dans votre travail, on n'est pas dans des logiques d'antagonisme. Chacun est effectivement dans un rôle qui est bien spécifique, mais on bosse ensemble. C'est pas le cas de tout le monde. Pas le cas de tout le monde. Ah oui. D'accord. Moi, je me mets, comme j'ai un débat avec une avocate qui est en plus directrice de l'école, je suis pro-avocat aujourd'hui, vous l'avez bien compris. Vous avez toujours considéré les avocats avec beaucoup de respect, toujours. Oui, alors, parce qu'ils m'ont aidé, je pense, à ne pas commettre trop d'erreurs. Voilà. Je crois que le doute, c'est fondamental. Alors, c'est presque contraire à l'idée de justice. C'est-à-dire qu'un juge, c'est pas Zorro. Il a un idéal de justice, bien sûr, mais dans son quotidien, il faut qu'il se méfie de ses propres certitudes. Il n'a pas de certitude. Et vous savez, le métier de juge et de juge d'instruction, et d'avocat aussi, on touche à l'âme humaine, on travaille sur de l'humain. Donc, il y a toujours dans la part d'humanité, même dans le crime le plus abominable, il y a des choses à écouter. Il y a une personne en face. On juge quelqu'un, on essaye de le comprendre. Et ça passe par le doute, ça je vous rejoins tout à fait, l'humilité aussi, puisqu'on n'a pas la science absolue, on ne l'aura pas. On va essayer de faire une démonstration qui tiendra, en espérant qu'elle tienne jusqu'au bout. Et si elle ne tient pas, ben on fera un non-lieu. Mais ça passe par cette phase de dialogue, d'écoute de l'autre, et souvent de remise en cause. On a des intuitions, certes, mais on peut avoir des fausses intuitions. Donc elles vont nous aider à progresser. Alors, la rationalité fait que je vais vérifier, puisque je pense que peut-être que je vais aller vérifier, et la raison va me, normalement me corriger mes fausses de mes vraies intuitions. Et l'erreur judiciaire, qui est l'injustice profonde, c'est souvent le fait de ne pas avoir douté, et c'est important le doute. Donc on est face à une notion d'absolu, c'est quoi être juste, indéfinissable mais réel, mais avec, j'allais dire les moyens du bord, mais avec une humilité qui fait que c'est impossible. De toute façon, c'est impossible.
Voilà, je crois qu'il faut se dire ça dès le départ. C'est une mission impossible. On rend la justice le moins mal possible au vu des éléments, au vu de ce qu'on nous dit, au vu des éléments qu'on a pu recueillir. Dans la fixation de la peine, j'ai zappé tout à l'heure, mais on peut en parler aussi, oui. La fixation de la peine, vous avez des intérêts contraires. Oui, vous le disiez, il y a toujours un perdant et un gagnant. Alors, oui. Peut-être pour revenir à un élément qui était évoqué aussi par Julie Neveu, c'est ce qui nous fait commun. Et en fait, ce qui nous fait commun, c'est le droit, c'est la loi, finalement. Et on peut avoir la même formule, c'est mon droit. Donc, comment positionnez-vous le droit pour aller vers une décision qui, de toute façon, vous l'avez évoqué tout à l'heure, est par nature injuste, puisqu'il va y avoir un gagnant. Je reprends cette formule. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites. Il va y avoir un gagnant, quelque part, et un perdant qui va considérer, d'ailleurs pour ça qu'il va faire appel, enfin, etc., qu'on ne lui a pas rendu justice. Oui, je réfléchis à tout ce que vous dites parce que c'est très dense. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut bien distinguer et on voit bien qu'on tourne autour de la notion de juste. Hein. C'est droit et équité, en fait. Équité, c'est le sentiment de ce qui est juste, de ce qui paraît bon. On voudrait tous que le droit soit juste. Dans l'idéal que vous évoquez. Mais en France, en démocratie, on ne juge pas en équité. Les tribunaux ne jugent pas en équité. La Cour de cassation le dit bien, l'équité n'est pas une source de droit. Mais, et je vous vois hocher, on ne juge pas en équité parce qu'on ne peut pas. Mais pour moi, ça, c'est très l'équité... Important, ça. Non, je veux dire pourquoi on ne juge pas en équité. Parce que si on juge en équité, d'abord, l'équité, ce n'est pas une source de droit. La jurisprudence est une source de droit. Le juge et l'avocat créent... Enfin, l'avocat aiguillonne le juge quand il fait bien son métier pour être créateur de droit. Et la jurisprudence est une source de droit. L'équité... elle peut même se heurter au droit. Je pense, vous avez une famille qui vit dans une maison et il se trouve qu'on fait un procès à cette famille parce que la maison dans laquelle vit la famille avec les enfants depuis longtemps empiète un peu, un tout petit peu, sur le terrain d'à côté. L'équité, ce serait quand même de dire, empiète de quelques mètres, c'est pas bien gênant. Il y a une famille qui vit là, bien, le droit, et donc pas l'équité. Mais le droit, la décision qui va être rendue avec la règle de droit, ça va être de dire qu'il y a eu une violation des règles de construction et la maison sera démolie. En revanche, pour moi, enfin pas pour moi, il me semble, l'équité, c'est l'éminence grise du juge, c'est l'éminence grise du droit. Parce qu'elle inspire le juge, elle inspire le droit. Quand le juge refuse d'homologuer une décision, la décision est prise et puis elle ne va pas être homologuée. Tous les éléments sont là pour que tous les éléments de droit sont là. Mais lui, il va y rentrer là un peu un sentiment de justesse ou de juste en disant j'homologue pas cette convention de divorce ou de cégep. Enfin, elle n'est pas... elle n'est pas équitable. Voilà comment l'équité, pour moi, revient. Oui, moi, je dirais qu'à vous entendre, l'équité, c'est vraiment la notion de justice, c'est le cœur. C'est le cœur qui parle. Ce n'est pas la raison. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Vous trouvez face à des gens, vous devez les condamner parce qu'effectivement, il n'a pas respecté la loi et vous vous rendez compte que ses conditions d'existence sont misérables, qu'il a une situation affective difficile. Et vous devez le condamner. Mais le cœur vous interdit de le faire. La loi vous ordonne de le faire. Oui. La loi, c'est la règle. Le juge est soumis à la règle. Il est soumis à la loi. Mais il juge avec le cœur aussi. Il ne peut pas jouer. Ou alors, c'est une justice mécanique qui me fait peur. C'est l'horreur absolue. Alors, parfois, ça coïncide, bien sûr. C'est-à-dire que le droit va coïncider avec l'équité. Mais pour moi, l'équité, elle est fondamentale dans le métier. Je ne peux pas appliquer une règle si l'équité ne... Alors, vous savez, on s'en sort parce que les peines, vous savez que l'échelle des peines, quand un criminel risque 20 ans de réclusion, le juge peut descendre pratiquement jusqu'à zéro, jusqu'à trois fois rien. Donc, il a une marge d'appréciation. Il va apprécier la loi s'applique, mais pour fixer la peine, et là, il va apprécier la situation de la personne, les circonstances, entendre la victime, entendre l'avocat de la personne poursuivie,
le procureur qui représente l'État, la règle. Donc, il a à trancher avec des ingrédients qui dépassent. Vous savez, on parlait par exemple de peine automatique. Bon, certains prônent la peine automatique. Moi, j'ai horreur de la peine automatique parce qu'il n'y a plus de place au cœur, il n'y a plus de place à la discussion, on ne prend pas en compte la personnalité, etc. Donc, c'est un moteur profond. Voilà, c'est l'équité, la justice, pour moi, c'est un peu la même chose, le cœur. Et puis, il y a la raison. Il y a la raison, bah oui, mais si on ne condamne pas dans ce cas-là, on ne condamnera jamais, ça crée une situation qui elle-même va devenir injuste, oui, puisque ça. Certains vont l'être, pas les autres. Donc, vous voyez que restons humbles face à cette notion de justice. Oui, vous me rappelez, il y a un professeur de droit qui s'appelait Prosper Veil et qui disait l'équité dans le droit, oui, l'équité à la place du droit, non. Et je crois que c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, on rend la justice avec des règles de droit qui doivent être les mêmes pour tous, mais avec le cœur, c'est l'image que vous avez utilisée, et avec le cœur parce que faire œuvre de justice, c'est une alchimie entre la rigueur et l'humanité. Ce que... Oui, je parlais tout à l'heure de peine automatique, en fait, je pensais aux peines planchers. Voilà. Oui, ce qui a été proposé à une époque. Aux peines planchers. Voilà. Je trouve que c'est la négation même, je vais en choquer volontairement quelques-uns dans la salle, mais ce n'est pas grave, c'est la notion même de négation de la justice. Parce que peut-être les uns ou les autres, vous avez déjà eu affaire à la justice, pas forcément la justice pénale, mais vous n'apprécieriez pas d'être jugé automatiquement, sans qu'on vous écoute, sans qu'on tienne compte des circonstances. Et de même qu'il y a un autre discours qui consiste à dire une peine doit être appliquée intégralement. Remplissons les prisons, elles sont déjà surpeuplées. Non. On est à 130%, je crois, de coefficient de taux d'occupation des prisons. Prison, oui. Et on sait très bien d'ailleurs que, alors, on peut en débattre aussi, là aussi c'est la notion de justice qui est importante. On pourrait construire des prisons, faire comme aux États-Unis, hein, et puis un jour, aux États-Unis, ils se sont dit, ah mais on ne peut plus payer, donc on va ressortir les gens. Voilà. Donc, parce que plus vous construisez de prisons, plus vous aurez de gens en prison et plus on va en construire. On est dans un cercle infini. Et en plus, la prison, elle fabrique de la délinquance. Elle fabrique de la récidive. Vous prenez un petit délinquant, vous le mettez en prison pendant 3 mois, il va rencontrer quelques caïds. À la sortie, il ne va pas être réinséré. Il va recommencer. Donc, ce n'est pas la meilleure façon, à mon sens, de se protéger. Il y a cette idée, toujours, moi, je pense, d'humanisme, d'humanité. Voilà, qui fait que rendre la justice, ce n'est pas facile. Voilà, c'est pas facile si vous rentrez cette notion de justice dans la décision. Si on sort décision. Cette notion d'équité, donc quelque chose qui est aussi de l'ordre, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui est de l'ordre aussi de votre intime conviction. C'est-à-dire qu'il y a, non, non, c'est pas ça. L'intime. Alors moi, l'intime conviction, ça m'a toujours fait peur. Ça vous fait peur? Oui. J'ai présidé les assises il y a fort longtemps et il y avait des jurés, donc des gens qui participer à la juridiction, et la première chose qu'il fallait que je leur lise, c'est vous jugez en fond, il y a une formule là que je ne connais plus par cœur, jugez en fonction de votre intime conviction. Non. Est-ce que vous doutez de la culpabilité de la personne? Est-ce que sur le plan rationnel, il y a les éléments qui permettent de la condamner ou pas? C'est ça, là, c'est sa notion anglo-saxonne qui est beaucoup plus en avance que cette idée d'intime conviction qui renvoie à cette vieille culture qu'on a, cette culture inquisitoriale, le culte de l'aveu. J'ai le sentiment qu'il est coupable, donc je condamne. Non. Non. Est-ce que j'ai la preuve qu'il est coupable ou pas? Oui, non. Pour reprendre l'image du cœur, vous savez, la justice, c'est un peu comme l'amour. Hein. Il y a l'amour et il y a les preuves d'amour. La justice, c'est ça, c'est être attaché. C'est être Quelle attaché. Preuve d'amour. Pardon. Quelle preuve d'amour, vous demandez au juge. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'attachement que doit avoir le juge aux preuves. Et pour revenir à la notion de doute, qui est vraiment une vertu cardinale, hein, du magistrat, c'est s'il y a un doute,
Donc, il n'y a pas suffisamment de preuves. Et s'il n'y a pas suffisamment de preuves, il faut tirer les conséquences de la situation. Oui, parce que je peux être convaincu, mais je suis sûr qu'il l'a fait. J'en suis convaincu. Mais qu'est-ce qui me prouve que, si je n'ai pas la preuve, je dois relaxer. Il faut l'accepter. Alors, ça aussi, c'est une preuve d'humilité. Et les erreurs judiciaires qu'on a pu voir, c'est quand le juge ne doute pas. Parce que justement, ah bah oui, je suis convaincu. Oh oui, bah c'est lui, ça peut être que lui, voyons. Écoutez, Alors c'est une question intéressante que je voudrais un petit peu élargir dans le contexte qui est le nôtre, où justement, je crois qu'il y a un manque de confiance en la justice, il y a une montée très forte des inégalités qui sont perçues comme des injustices, bon, une ambiance relativement délétère qui peut amener à des comportements relativement extrêmes. Donc comment, puisqu'on essaie de se projeter un petit peu sur demain, comment reposer peut-être, vous en avez posé quelques-uns, mais comment reposer quelques principes collectifs que nous puissions tous partager et qui puissent nous remettre à vivre ensemble et à faire ensemble ? Et là, je pense que mais là, la justice... Alors, ça dépasse complètement le cadre de l'action de la justice avec un petit J, c'est-à-dire qu'on vit dans une société de plus en plus inégalitaire. Il y a beaucoup de gens qui meurent de faim dans le monde et il y a des ultra-riches qui gagnent énormément d'argent. Et je fais le parallèle d'ailleurs avec mon domaine, c'est-à-dire les paradis fiscaux. C'est-à-dire qu'il y a d'immenses fortunes qui sont issues du trafic de drogue, de la corruption, etc., de gens qui cachent leur argent hors de portée de la justice. Je discutais une fois avec un avocat américain. Son client avait acheté une propriété sur la Côte d'Azur à l'aide d'un trust, bon, géré du Luxembourg. Et il me prenait pour un... C'est un avocat américain. Il me prenait pour un vieux communiste, en quelque sorte, puisque je le leur reprochais, son client. Alors, il me dit, mais il a le droit. Il a le droit de constituer un trust au Luxembourg, au Liechtenstein. Et alors, mon argument ultime, c'était de lui dire, écoutez, maître, moi, quand j'achète une maison, je la mets à mon nom. Pourquoi certains vont-ils faire appel à des trusts au Liechtenstein ? Expliquez-moi, je ne comprends pas. J'ai tellement pas compris que je l'ai poursuivi pour blanchiment, qu'il a été condamné. Il n'a toujours pas comprendre pourquoi il avait été condamné, d'ailleurs. Mais ça, c'est une injustice profonde. Et la justice que nous rendons ou que nous essayons de rendre, elle s'exerce dans un univers donné que nous ne maîtrisons pas. Mais elle participe quand même de ce contrat, pardon, un petit peu de méfiance, de doute. Oui, mais elle n'est pas là. Sur ce traitement inégalitaire dont vous parliez tout à l'heure. Oui, mais elle n'est pas là non plus pour rendre service, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle n'est pas au service d'eux. Et c'est très difficile de juger quand vous avez des personnes qui n'ont pas eu d'éducation, qui ont eu un père alcoolique, une mère prostituée, et puis qui font n'importe quoi dans la vie. Moi, je n'ai pas eu cette malchance-là, donc j'ai ce décalage qui existe. Là aussi, ça, c'est quoi être juste vis-à-vis de ces personnes-là ? C'est de les condamner ? Oui, il faut les condamner, puisqu'ils ont commis des infractions. Mais en les condamnant, on les renvoie dans leur misère. Pas facile. Oui, c'est pour ça que j'ai bifurqué vers les affaires financières. Là, je n'avais pas le même souci, vous voyez. Ok. Sur cette question, là, madame. Oui, non, mais je crois qu'on. Renaud Van Wenbeck nous fait très, très bien toucher la difficulté d'être juge, la difficulté de juger dans une société où, comme on l'a dit, il y a un sentiment d'injustice qui est très fort. Et le droit, c'est aussi le reflet d'une société à un temps donné. Donc, si une société a le sentiment d'une injustice galopante, elle peut avoir le sentiment que le droit est injuste, hein, et source d'injustice.
Moi, je crois, et ça ne va peut-être pas vous étonner, je crois beaucoup moi, à la formation et à la pédagogie. Et quand vous dites, je ne sais pas, la situation défavorisée d'un tel ou un tel, et je n'ai pas été dans cette situation-là, je crois qu'il faut vraiment qu'on soit très attentif à être présent dans les lycées, dans les écoles, pour vraiment donner des clés. On en revient à la question de l'accès au droit. Hein. Alors, l'avocate que je suis depuis 30 ans, il est très, très, très sensible, mais on en revient quand même à cette notion d'accès au droit, connaissance de ses droits. Moi, je me réjouis que dans les écoles, on commence à enseigner le droit, dans les lycées, j'entends, dans les collèges, mais c'est optionnel, c'est pas partout, c'est dommage. Je me réjouis que les avocats et aussi un peu les magistrats aillent dans les écoles pour apprendre l'art oratoire, savoir parler, savoir exposer, savoir présenter sa plainte et sa requête. C'est drôlement important. Mais je crois qu'il faut qu'on fasse plus, magistrats, avocats, il faut qu'on aille davantage vers les plus jeunes pour essayer de donner justement ces clés de la société pour comment se sentir acteur dans la société, acteur de ses droits, qu'ils soient encore une fois sociaux, médicaux, judiciaire. Voilà, je pense que la formation, la pédagogie, les parcours égalité des chances, les classes talents qui sont en train justement de se développer, les inégalités, c'est pas seulement des inégalités économiques, évidemment, c'est beaucoup des inégalités territoriales, des inégalités culturelles, des inégalités sociales. Et la pédagogie, la formation, dès que c'est accessible dans les écoles, je crois qu'il ne faut vraiment pas s'en priver. Donc il y a cet aspect-là, effectivement. Et puisque vous dirigez effectivement une école, est-ce que vous avez le sentiment qu'on parle aujourd'hui beaucoup de la façon dont les nouvelles générations, hein, je l'évoquais tout à l'heure, regardent d'ailleurs le monde, regardent ce qui s'est passé avant. Ils ont d'ailleurs des formes d'engagement. Hein, je crois que vous l'avez, ça a été évoqué d'ailleurs dans un autre thème, qui peuvent être différentes de celles que nous pouvions connaître. Est-ce que vous voyez dans les générations des gens qui s'engagent dans votre école, la volonté aussi d'être dans le collectif, d'être dans la République aussi? Oui, absolument. Alors moi, je suis très, très, très optimiste. Je crois totalement dans les leviers, les capacités des générations qui viennent derrière moi. Surtout qu'il y en a pas mal, je crois. Je ne sais pas, je les vois pas très bien avec les... Mais j'imagine, en tout cas, je l'espère, parce qu'on compte vraiment sur vous. Moi, ce que je peux voir à l'école, même si tous ceux qui se dirigent vers l'École nationale de la magistrature ne sont pas tous jeunes, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de reconversions professionnelles aussi. Mais en tout cas, il y a une majorité de jeunes autour de 25, moins de 30 ans. Et c'est vrai que cet engagement, cette envie d'exercer un métier avec du sens, voilà, qu'est-ce qui attire les jeunes dans la formation de la magistrature pour exercer ce métier de juge, c'est justement cette volonté d'être ancré dans sa société et de comprendre le fonctionnement. Parce que vous savez, à l'école, on leur apprend à saisir les enjeux. On rend pas une décision comme ça, judiciaire, qui tombe, comme l'a très bien expliqué Renaud Van Ruynbeck. On regarde dans quel contexte, on regarde la répercussion. On n'est pas simplement, quand on est juge, un arbitre qui fait tomber, qui fait trancher comme ça une décision. On est quelqu'un qui vit dans un écosystème, qui est un citoyen et qui, même s'il doit faire attention à un traitement égalitaire et à l'application d'une règle de droit, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas déconnecté de la réalité. Il faut arrêter de penser que la justice est hors sol. Il y a des juges, il y a des magistrats, il y a des avocats qui sont déconnectés de la vie dans laquelle ils vivent. Mais c'est pas ça le système judiciaire. C'est des gens très impliqués. Et donc des jeunes absolument à la hauteur de ses engagements. Voilà, et ancré effectivement dans une société telle qu'ils la, j'imagine, ils peuvent la souhaiter. Donc j'entends dans ce que vous dites effectivement aussi une responsabilité que nous avons tous. Vous évoquez la notion de non-recours au droit. On le voit d'ailleurs très souvent sur des étudiants pour des situations à caractère économique, mais aussi sur une forme de distance par rapport à la société. Donc exerçons finalement notre responsabilité, recourons au droit qui est le nôtre. Oui. Et puis il y avait un deuxième élément dont, après, si ça vous, on peut vous donner la parole, hein, il nous reste une dizaine de minutes, ça serait assez intéressant, je crois que vous le souhaitiez d'ailleurs, qu'il y a un petit temps
d'échange avec vous, mais il y a un dernier élément, finalement, parce que vous le dites d'ailleurs très très bien dans votre livre, les choses ont évolué. On a aussi peut-être, nous, encore, une représentation d'une justice totalement injuste, mais vous me disiez qu'à travers, par exemple, les médias, maintenant, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui d'aller planquer de l'argent à l'étranger, je ne sais pas. Non, c'est pas toujours aussi facile. Ah non, c'est facile. Ah mince. Donc c'est très injuste. Ne donnez pas les ficelles. La première recette qui me revient à l'esprit, aller à Dubaï, hein, s'il y en a parmi vous qui ont de l'argent à cacher. Alors quand je dis de l'argent... En dessous du million d'euros, c'est même, on ne discute pas. Ça ne m'intéressait pas du tout. Mais allez à Dubaï, achetez-vous un bel appartement. Alors évidemment, il fait chaud. Hein, ça, il fait chaud. Ça, c'est injuste. Mais emmenez votre argent là-bas, on ne vous posera pas de questions et on ne vous extradera pas. Donc, Alors, je vais reposer. Il y a des paradis sur Terre. Je ne vais pas vous laisser continuer comme ça, Renaud. Je vais reposer ma question différemment. Je crois que sur l'expérience de votre carrière, vous dites quand même que les choses un petit peu... ont un petit peu évolué et que même si on a dans notre pays un grand sentiment d'injustice, le travail qu'ont pu faire les médias à un certain moment a permis de mettre à jour des choses qui fait que le système s'est un peu amélioré. Oui, et puis je pense que la justice s'est émancipée quelque part, donc il y a eu des progrès. Mais vous savez, c'est comme l'écologie, il y a une prise de conscience, on avance tout doucement, mais l'objectif, il est encore très très loin et c'est la génération qui vient qui pourra régler les problèmes, qui devra les régler de toute façon. Et vous savez, je reviens à mon sujet, parce que je l'aime bien ce sujet-là, j'ai fait ça pendant 20 ans, sans non-stop, donc j'essaye de le caser, si vous voulez, mes comptes à Dubaï. Ce qui me rassure, alors non, ça m'effraie. Regardez, j'avais caché tout mon argent au Liban, et vous avez vu ce qui s'est passé au Liban. Mon banquier m'a quand même prévenu avant, j'ai eu le temps d'enlever, retirer mon argent. Par contre, le Libanais qui vit sur place, qui lui a 2-3 000 euros sur son compte, aujourd'hui il ne peut plus retirer, tout a disparu. Voilà, je vous rassure. Hein, donc, on est dans un monde, tout ça pour dire qu'on est dans un monde qui bouge. Alors, s'il y a des gens qui ont aussi alors, caché leur argent, fraudé à une grande échelle évidemment, à Hong Kong, un grand frère chinois là... Aller à Singapour, c'est plus sûr, ça présente bien. Ils coopèrent au compte-gouttes sur le plan judiciaire, donc tout n'est pas perdu, loin de là. Allez, est-ce que vous avez envie, oui, madame, on va vous apporter, levez bien la main, on va vous apporter un micro. Est-ce qu'il y a une autre personne pour qu'on prépare un deuxième micro? Oui, là-bas au fond, monsieur. Allez, madame, on vous apporte un micro. Voilà. Bonjour, j'ai deux questions, en fait, et j'aimerais avoir votre avis. Concernant une nouvelle décision de loi sur l'inceste à partir de, jusqu'à de l'âge de 18 ans, on a eu la réaction de Christine Angot sur le fait que eh ben, c'était 18 ans, c'était pas assez. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Et la deuxième chose sur les erreurs judiciaires et la responsabilité des juges. Voilà. Merci. Alors, deux questions. À qui vous, aux deux peut-être. C'est intéressant de voir le point de vue croisé, effectivement, sur l'inceste, sur la décision qui a été prise. Sur l'inceste. La prescription a été repoussée à 30 ans. 30 ans après la majorité, autant que je me souvienne, dans la dernière loi. Je peux vous dire que si on saisit d'un dossier d'inceste, 30 ans plus 10 ans, 40 ans après, ça va être quasiment impossible. Donc je ne suis pas pour la prescription éternelle. Parce que si c'est impossible... J'ai cherché, j'aurais plus de témoins, ils seront morts, j'aurais plus de traces, plus rien. Ça va se terminer par un non-lieu, une relaxe, qui sera encore pire pour la victime. Ce qu'il faut faire pour l'inceste, c'est saisir la justice beaucoup plus tôt. C'est trouver des mécanismes qui fassent que la justice soit saisie suffisamment tôt pour faire son travail sérieusement. Mais reculer indéfiniment le problème de la prescription, ça ne résoudra pas le problème. La deuxième question, pardon, c'était... Sur les erreurs judiciaires. La responsabilité des juges sur les erreurs judiciaires. Alors, vous ne pouvez pas engager, là je me protège, hein, je fais du corporatisme à mon petit niveau, hein, parce que j'ai peur quand j'entends ce type de questions, je me dis toutes les erreurs que j'ai pu faire, si on engage ma responsabilité à chaque fois, oh là là. Sur une erreur judiciaire, vous ne pouvez pas engager la responsabilité du juge, pourquoi? Parce que le juge, il a le droit à l'erreur, il peut se tromper, il apprécie une situation... Il peut mal l'apprécier,
là où sa responsabilité serait engagée, je dirais, c'est s'il le fait exprès, intentionnellement. Mais s'il essaye d'appliquer la loi, s'il a des discours qui lui masquent la vérité et qu'il ne la découvre pas, et qui juge à côté à cause de ça, non, on ne peut pas l'engager. C'est pas possible, sinon vous n'aurez plus de juge. Vous n'aurez plus de juge qui prendra la responsabilité d'eux. C'est impossible. Stater, est-ce que vous acceptez cette réponse, madame ? Attendez, parce que c'est intéressant, parce qu'on est au cœur de la réflexion. Vous répondez effectivement par un sentimental. Je vais vous redonner le micro, madame. Le ministre de la Justice en parle. Non, madame, on enregistre, merci. Merci. Non, est-ce que notre ministre de la Justice en parlait récemment dans une émission télévisée ? Et je trouvais ça intéressant d'avoir le point de vue, bah, justement, des juges par rapport à ce qu'avançait comme propos le ministre de la Justice. Donc, je voulais être éclairée, donc j'ai pas d'avis vraiment sur la question. Et c'était intéressant d'avoir l'avis éclairé des juges là-dessus. Voilà. Très bien, merci madame. Monsieur, je crois, on vous a apporté un micro ? Non, on ne vous a pas apporté, oui. Alors. Bonjour. Qui c'est moi, ah, alors après ce monsieur, là, vous avez été... c'est injuste, hein, parce qu'il avait levé la main avant. Non, mais je vous en prie, cher monsieur. Non, mais en attendant, peut-être... Alors, répondez. Mais... Moi, je voudrais rebondir sur ce que dit madame et la réponse qui a été apportée, et que je partage. Je crois qu'on revient... particulier sur votre question, madame, sur l'inceste et la prescription et le report. On revient vraiment sur ce que nous disions. D'une part, les preuves. Faire ouvrir des procédures alors qu'on ne pourra pas récolter des preuves et que donc on ne pourra pas sans preuves arriver à une décision satisfaisante parce qu'il y aurait eu un dépérissement des preuves, voilà, c'est je crois que c'est un vrai problème. Il y a aussi une question de vous l'avez dit, le tout c'est de savoir à quel moment on peut déclencher les choses. Donc ça c'est l'autre partie de notre propos, c'est l'accès au droit, c'est-à-dire que savoir être informé de quand, lorsque vous avez la sensation ou lorsque vous avez vécu une situation qui nécessite que vous alliez interroger la justice, que vous ayez les clés, que vous ayez pas de renoncement, comme on dit, au droit. Donc c'est cette pédagogie de chaque citoyen sur le droit. Et puis je crois qu'il y a aussi une chose qu'il faut qu'on dise, enfin je crois qu'il y a d'autres questions, mais avant de finir, c'est qu'il y a un enjeu de paix civile. C'est-à-dire que la justice doit nous aider à vivre ensemble. Et lorsque vous évoquiez les questions de prescription, c'est aussi ça le point. C'est vivre ensemble, c'est le respect de l'autre. C'est un peu comme dans un jeu. On avait une image sportive tout à l'heure avec l'arbitre, je crois. Mais c'est qu'à la fin du procès, il y a un moment où, de façon générale, Il faut qu'il y ait du respect de l'adversaire, il faut qu'il y ait respect de la décision, une lisibilité de la décision. Les magistrats, ils doivent apprendre, les juges, ils doivent apprendre à ce que les décisions qu'ils rendent soient acceptées. Elles sont acceptées lorsqu'ils ont eu l'impression d'avoir été écoutés. Il y avait un justiciable qui reprend, enfin je crois que c'est Jean Danet qui reprend ça, et, qui est un avocat universitaire qui a publié un ouvrage sur les droits de la défense en 2020, je crois, et qui dit, il raconte l'histoire d'un justiciable à la sortie de son procès, et qui dit à son avocat, j'ai pu exercer mes droits. Vous, maître, vous avez pu me défendre. L'adversaire nous a respectés. La salle, le public, nous a respectés. Le président a conduit son audience avec impartialité. Et moi, maintenant, je peux écouter la décision qu'ils vont rendre. Et je crois que ça, c'est un cheminement qu'il faut vraiment ancrer pour la directrice d'école que je suis dans la formation des magistrats. C'est qu'il faut le respect, montrer le respect de ce qu'ils jugent, savoir montrer que la justice est impartiale quand elle s'exerce. Ça, c'est le rôle du magistrat. Et regardez, pour parler de l'actualité, Jean-Louis Périès, le magistrat qui préside l'audience du procès V13, il fait un travail remarquable parce que c'est une audience qui tient un fil. Hein, voilà, C'est un ancien juge d'instruction. Voilà. Et vous avez raison, il a appris à écouter. Allez, on prend rapidement votre question, monsieur, et puis après on amènera le micro, puis on en restera là. Madame Bourré, en préambule, vous aviez évoqué la notion de renoncement en rapport à la justice, mais vous n'avez pas évoqué la notion de délai de la justice qui peut être un vecteur, justement, de renoncement. Quand on voit le nombre d'années qui s'écoulent pour qu'une personne physique ou une personne morale puisse voir la justice passer. Okay, merci.
Est-ce qu'on peut récupérer le micro et l'apporter à ce monsieur là-bas ? Merci. Donc, délai sur la justice, oui. Oui, vous avez raison, monsieur. C'est le premier. Alors, le premier gros défaut de la justice, c'est sa lenteur. C'est catastrophique. Personnellement, j'ai toujours eu l'angoisse de la lenteur. Voilà. De me dire, à un moment donné, il faut arrêter les investigations. On ne peut pas durer à l'infini. C'est compliqué parfois. Mais il y a des règles de procédure qui sont archaïques dans notre procédure. On n'a jamais refondu réellement notre procédure. Vous savez, on envoie des lettres recommandées par accusé de réception. Quand vous avez 1200 victimes dans un dossier qui a une expertise, il faut que le juge envoie 1200 lettres recommandées avec accusé de réception. L'intranet, on ne connaît pas. C'est ça, la justice. Elle fonctionne comme ça. Elle fonctionne comme au Moyen-Âge. On a des règles très désuètes. On a des règles de procédure qui font que tes dossiers qui sont à l'instruction vont être bloqués 2-3 ans parce que l'avocat, pardon de le dire, il a des droits, mais sur des questions de virgule qui ne sont pas à leur place, va gagner des années en appel, en cassation, et tout ça, ça retarde la phase de jugement. Donc je pense qu'il faut repenser notre système judiciaire en mettant la question que vous soulevez au cœur du débat, les délais. Il y a des cas où la justice va très vite. Hein. Prenez les comparutions immédiates. Ça va extrêmement vite. J'ai eu l'occasion de présider une fois, deux, trois fois. Bon, on ne m'a pas envoyé 50 fois. Hein. Mais ces comparutions immédiates, il y a des fois, on a honte. Ça m'est arrivé d'avoir honte. Il a fait 48 heures de garde à vue, il a volé un vélo la nuit, il s'est fait prendre. Et je me revois lui poser la question à l'audience, parce que quand même, je pose quand même des questions. C'est mon métier, bon, donc c'est des formations professionnelles. Et je lui dis, monsieur, mais vous avez volé le vélo et on vous a arrêté une heure après au lieu où vous avez volé votre vélo. Et il m'explique, oui, parce que j'ai pas pu voler le vélo, j'ai pris que la roue du vélo. Je suis parti et puis une heure après, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de la roue ? Et j'ai ramené la roue. Et c'est à ce moment-là qu'il se fait prendre. Bon. 48 heures de garde à vue et un parquet qui demandait une peine de prison ferme avec maintien en détention. Vous voulez compléter sur le délai, madame ? Non, mais ça, je crois qu'on est tous, confrontés, que l'on soit justiciable ou professionnel de la justice, juge ou avocat, à la question du délai. D'ailleurs, c'est une question qui est abordée dans le projet de loi qui est actuellement débattu, projet de loi pour restaurer la confiance dans la justice, notamment la durée des enquêtes préliminaires, hein, c'est-à-dire la durée des enquêtes pendant lesquelles il n'y a pas de juge d'instruction et pendant lesquelles l'avocat ne peut pas exercer les droits de la défense, ne peut pas aiguillonner parce que c'est son job, c'est son métier, enfin, c'est sa mission, parce qu'il n'a pas accès au dossier. Donc il y a actuellement des réflexions au Parlement sur cette question de délai, sur cette question de proximité de la justice, et vous avez tout à fait raison, je crois que l'une des plus grands défauts de la justice actuellement, c'est son délai. Moi, je dirais pas que nous restons dans une justice moyenâgeuse. Je sais pas si c'est le terme qui était employé, pardon, mais il y a quand même la numérisation, il y a quand même des efforts sur le numérique, mais les moyens ne suivent pas. Oui, avec des ordinateurs, des logiciels qui marchent pas. Voilà, le problème, c'est ça, c'est les moyens. C'est-à-dire que les décisions sont prises. Vous allez voir la réponse, absolument. Hein, oui, parce que c'est pas le juge qui envoie les accusés réception. Non, c'est la greffière. C'est elle, oui, mais elle est débordée. Après, elle ne fait plus le travail que je lui demande de faire. Ouais. OK. Monsieur. Bonsoir. C'est un témoignage plutôt à l'attention de Mme Roret. Est-ce que vous pourriez dire deux mots de ce que sont les juges consulaires, puisqu'on a quand même plus de 50% de juges en France, et je crois que beaucoup de monde l'ignore, qui ne sont pas des professionnels. Donc, témoignez déjà. Et puis, vous apportez aussi mon témoignage de gratitude à l'égard de tout le travail qui est fait pour ces juges-là, parce que c'est particulièrement difficile pour quelqu'un de la société civile de rentrer en bénévolat comme juge, ça existe. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots et savoir que ces gens-là bénéficient de vos formations de grande qualité ? Bien sûr, oui, vous avez... merci de m'y inviter. Je sens du vécu, enfin, j'ai l'impression. Oui, vous avez parfaitement raison. Et ça, c'est quelque chose qui m'importe de pouvoir parler des formations à l'École nationale de la magistrature qui ne sont pas des formations que pour
les formations initiales et continues des magistrats de l'ordre judiciaire. Et vous avez raison, c'est ce que j'appelle un peu moi l'invisibilité de l'école. C'est-à-dire que l'école nationale de la magistrature, elle est sur deux sites. Un site à Bordeaux, qui est l'école où effectivement passe de façon obligatoire la formation initiale de tous les magistrats de l'ordre judiciaire, hein, parquet et justice du siège, et Bordeaux, l'établissement de Bordeaux, où sont formés beaucoup, beaucoup de publics, puisque vous citez les juges consulaires, c'est-à-dire les juges qui sont dans les tribunaux de commerce, et Dieu sait qu'ils sont utiles au fonctionnement, indispensables même au fonctionnement de la justice, qui sont formés à l'École nationale de la magistrature en formation initiale et continue, hein, c'est une formation obligatoire, et il y a sept autres publics qui sont formés à la magistrature sans être donc magistrat judiciaire, et il y a les délégués du procureur, les conciliateurs, les assesseurs des pôles sociaux, les conseillers prud'homaux, les magistrats à titre temporaire, les délégués du procureur. Et depuis cette année même, nous formons les experts en charge d'évaluer le préjudice corporel des victimes du terrorisme. Et pour vous donner un ordre quantitatif, sur l'école de Paris, hein, donc, que je dirige aussi, c'était en 2019, année fiable avant Covid, on va dire, pratiquement 20 000 formations données. Quant à Bordeaux, vous avez une promotion qui est de 353 cette année, mais qui généralement, voilà, autour de entre 280 et 366, je crois, la plus importante, la promotion Taubira. Donc merci, monsieur, de m'avoir permis de parler de cette formation, parce que beaucoup s'y consacrent dans notre école. Alors on a échangé plein de choses en une minute chacun. S'il y a finalement, à travers les échanges que nous avons eus, un point qui vous est apparu particulier, vous avez dans votre cas bien évoqué le non-recours, enfin l'enjeu de ne pas renoncer à ses droits. S'il y avait un petit message qu'on pouvait partager pour se dire, eh ben voilà, nous avons peut-être quelque chose à faire tous ensemble demain. Oh, on a beaucoup de choses à faire tous ensemble demain, ça, j'en suis persuadée. Mais je crois que pour reprendre cette notion d'accès au droit qui m'est chère, et parce que je la crois vraiment fondamentale, je crois qu'après tout, la France de l'après-guerre s'est construite sur la sécurité sociale, sur le fait de pouvoir essayer de garantir une sécurité à la vieillesse, à la maladie, aux accidents, au chômage. Alors, puisque vous nous demandez d'être peut-être un peu rêveur, d'être oui, en tout cas ambitieux, pourquoi ne pas réfléchir à une sécurité juridique qui fasse que qui que l'on soit, eh bien, nous ayons tous la même formation sur l'accès au droit et la même capacité, une sorte de garantie d'accès au droit pour tous, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et peut-être justement pour lutter contre cette image de justice à deux vitesses, qui n'est pas exactement ce que vous évoquiez, mais qu'en creux on peut trouver aussi, si nous avons tous la même capacité, la même garantie à pouvoir accéder à son juge et à son avocat, je pense que ça peut être un beau défi pour les années qui viennent. Monsieur Van Rijnberg. Ben, moi je voudrais dire aux jeunes qui sont là-haut, après, pardon pour ceux qui sont en bas, parce qu'apparemment ils sont... Moi, je fais partie des vieux, des anciens, donc voilà. Je dirais aux jeunes, moi, j'ai vécu une période où on est sorti d'une, je l'indiquais tout à l'heure, cette période d'inégalité où la justice n'allait pas dans le domaine des politico-financiers, pardon. Il y avait une inégalité. Aujourd'hui, le balancier est rétabli. Et je leur dirais, il y a encore énormément de travail à faire, hein, parce que ma génération a participé de cette lutte d'émancipation. Je n'étais pas tout seul, il y en avait beaucoup d'autres. Hein. Et on a connu cette période de transition. Aujourd'hui, les portes sont ouvertes. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Voilà, c'est-à-dire faut pas, on n'est pas Zorro. On parlait tout à l'heure de Zorro. Le juge n'est pas Zorro, pas du tout. Il essaye de rendre la justice à son niveau. Mais il y a encore beaucoup de domaines à explorer. Je disais tout à l'heure, alors moyenâgeuse, je veux dire archaïque pour pas vous choquer, mais il va falloir en sortir. Notre génération n'a pas su le faire. Donc je fais confiance à la nouvelle génération. À partir du moment où elle conserve ses idéaux de justice, d'égalité, portés par ses idéaux, il y a encore énormément de chemin à faire. Et si j'ai un message à leur dire,
continuez le travail et vous pourrez avoir des résultats beaucoup plus importants que ceux que nous, on a pu avoir. Merci, monsieur Van Rondebeek. Merci beaucoup, madame. Merci à vous.